Dans cette vidéo, on va parler de perroquet ara rouge, ou ara macao. Description. L'ara rouge ou ara macao est un grand perroquet coloré, vivant dans les forêts tropicales américaines. Il s'agit de l'oiseau national du Honduras. L'ara rouge mesure 84 à 86 cm de longueur et il pèse 1 kg en moyenne. Si certains individus peuvent vivre plus de 100 ans, sa durée de vie moyenne est de 80 ans. Le plumage est essentiellement écarlate, mais les plumes de la croupe et du dessus de la queue sont bleu clair. Le dessus des ailes est de couleur jaune, les extrémités des plumes de la queue et la partie supérieure de part et d'autre des pennes des ailes sont bleu foncé, et le dessous des ailes et les pennes de la queue sont rouge foncé avec des reflets métalliques dorés. Certains individus peuvent avoir du vert sur les ailes près de la bande jaune. Trois sous-espèces présentent des différences de largeur de la bande jaune sur les ailes.
La peau nue autour des yeux est blanche jusqu'au bec. De petites taches plus blanches se trouvent également sur le visage. Le dimorphisme sexuel est faible. La seule différence extérieure identifiable entre les oiseaux se fait avec l'âge. Les jeunes ont des yeux sombres tandis que les adultes ont des yeux jaunes clairs. Ils ressemblent beaucoup à l'ara chloroptère. Leur principale différence de plumage est le jaune sur ses ailes du premier en lieu et place du vert. L'ara rouge habite dans les forêts humides tropicales américaines, de l'est du Mexique à l'Amazonie péruvienne et brésilienne, dans les terres basses jusqu'à 500 mètres d'altitude. Alors qu'elles sont peu fréquentes sur le continent, de grandes colonies d'ara rouge peuvent être observées sur l'île Cuaba, sur la côte pacifique du Panama. Les populations d'aras rouges ont fortement diminué en raison de la destruction de leur habitat. Des captures pour le commerce et de l'épandage de pesticides pour les cultures au Costa Rica, par exemple, l'ara rouge n'occupe plus que 9100 km² contre 42500 km² auparavant.
L'aire de distribution des aras rouges reste toutefois la plus grande de tous les oiseaux du genre ara avec une superficie estimée à 6 700 000 km², même si leur habitat est fragmenté et qu'ils ne forment souvent que de petites colonies locales. Régime alimentaire. L'ara rouge est végétarien. L'ara rouge mange principalement des fruits et des graines. Il aime notamment les pommes, les noix, les bananes et d'autres fruits, ainsi que le nectar et les bourgeons. Tout comme la calopsite élégante ou le perroquet jaco, son alimentation doit être variée. Elle doit être constituée pour 60% d'aliments complets en granulés. Vous pouvez lui proposer à raison de 30% du millet en grappe et un mélange aux œufs type Tropimix. Gardez 10% pour lui apporter des fruits, des légumes, un peu de riz ou de pâte. Outre le fait qu'une alimentation constituée uniquement de graines peut mener à de l'obésité, votre ara peut développer des carences en calcium et vitamines. Les mélanges Tropicant et Tropimix sont reconnus et de bonne qualité pour les perroquets et perruches. Certains aliments sont mortels pour les aras. L'avocat, le persil et la rhubarbe sont interdits. Ne lui donnez jamais une alimentation humaine à base de plats préparés, sauce, sucre, charcuterie, pain, viande, épices, lait. Les aras ne mangent pas de vers de farine ni d'insectes. Son bec lui permet de casser très facilement les coquilles des noix et autres fruits de ce genre.
Ces mélanges constituent un mode d'alimentation exclusif et il devient difficile de le modifier. La rat rouge va refuser les aliments qui sont différents, même s'il s'agit de fruits ou de graines qu'il aurait trouvés dans son milieu naturel. Une alimentation basée uniquement sur des mélanges de graines peut conduire à des carences en vitamine A, en calcium, iode, etc. Il peut aussi trier les graines et retirer celles qui sont pourtant bénéfiques. Il faut alors privilégier les granulés pour éviter ce comportement de tri sélectif. Si vous optez pour une nourriture à base de graines mélangées, choisissez toujours un mélange de haute qualité et accompagné de fruits et légumes quotidiennement. Des compléments en vitamines et minéraux sont recommandés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans la deuxième partie.